Ça, c'est bien tout ça. On trouve ça normal. Tu ne peux pas parler. Tu t'as parlé, la femme a appelé police. Tu as trop parlé de chasser. Tu as dans le salon de quelqu'un. Donc tu es gonflé, tu es dans ton cœur. Tu ne sais pas, tu viens sorcier. Tu es gonflé. Tu n'as rien, tu sais que tu te trompes. Tu ne peux pas parler. Si tu as parlé, elle va t'appeler police. Prison. Donc, mais quand c'est comme ça, le diable attaque. Un couple qui n'est pas en paix, un couple qui ne vit pas une vie de Dieu, un couple où Dieu n'est pas présent, Dieu n'est pas au centre, on ne met pas Dieu au centre, mais c'est un problème. Les gens, ils ne pensent qu'il y a Dieu lorsqu'ils ont des problèmes. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est qu'on a des problèmes, on dit « Ah, Dieu, viens où Dieu? Dieu veut pitié. » Ok, Dieu, bon Dieu, viens. Il dit, mon fils, comme tu veux pitié, sort. Pouf! Tu m'as dit d'en bas. Après de danser, il y a la petite fille, tu replonges. Non, on ne peut pas chercher Dieu quand on a des problèmes. Dieu, c'est comme une connexion. Quand on est déconnecté de Dieu, on a toutes sortes de problèmes. On a toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes. Quand on est connecté à Dieu, Dieu prend la peine de régler tout autour de nous. Amen. 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 Nous devons éviter de rentrer dans les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Or, si nous vivons dans ces choses, l'ennemi aura toujours accès à nous. Le diable sait. Moi, je viens d'avoir un témoignage. Je suis en train de travailler sur le dossier. Interpeller les pasteurs. Pour dire aujourd'hui, la stratégie du diable, c'est de détruire tous les pasteurs d'accord avec moi, les sorciers. Il rentre dans le corps de sa femme parce qu'il savait que sa femme était très nerveuse. De vous, que les femmes, désarmez vous. Amen. 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 Les amis vont bouger. Il dit même amen. Elle va parler jusqu'à le monsieur dort, elle parle. Elle insulte. Qui le traumatise. Dans son sommeil, tu le traumatise. Il ne peut pas parler, va ici, là, c'est la police. Tu as donné coup de poing, c'est police. Elle a raison. Donc, la femme, il a su que la femme était très nerveuse, impulsive. Le pasteur les rend visite, elle est fidèle, il rentre dans la maison, le petit l'a suivi. Il est rentré dans sa femme. Ils ont cette capacité de vivre dans un corps. Donc il rentre dans le corps de la femme et puis la femme son mari. Tu quittes où? T'allais chercher les femmes. Le pasteur dit pardon. J'en ai parlé de Dieu. La femme a commencé à parler mal au pasteur. Elle a touché son point faible. Le pasteur a commencé à faire par là. Or, vous savez qu'on fait par là, on fait mur de Berlin. Vous faites mur de Berlin. Vous savez qu'on va dormir en Tundo. Madame est là-bas, monsieur là-bas, personne ne touche son camarade. Jamais. Oh.